What am I doing with my life? I'm alive! I'm alive! Free yourself! Sun don't stop for nobody, man. Sun don't fucking stop. Sun gonna be up in the morning regardless. That sun is gonna be up in the morning regardless. Regardless of how I fucking feel and how depressed I am, the sun is gonna fucking shine in the morning. And at nighttime, the moon gonna be there. And you gonna look up, these days gonna keep going by. If I don't say it, if I don't believe it, no one else will. Mais j'ai pas rien. Non, bah, c'est vrai que ça a été difficile, mais j'ai pas eu que des emmerdes. J'ai quand même développé les choses et ça prend du temps. Et le sport, c'est compliqué, c'est difficile. Quand au bout d'un moment ça marche, ça paye, c'est après des années d'entraînement et de sacrifices. Et même si je peux me poser la question si tu veux, mais je peux me ranger, faire un truc normal, mais juste ça va me saouler, ça va pas durer longtemps, c'est tout. Je sais que je sais que ce qui peut me plaire, c'est soit l'MMA, soit l'entrepreneuriat. Mais j'ai besoin d'avoir un truc que je construis, même si je travaille, je suis prêt à bosser tout le temps, faire tout ce qu'il faut, mais que ce soit un truc que je construise pour moi. Si je comprends, mais même l'entrepreneuriat, il faut que un peu plus de billes, d'études, pas forcément longtemps, mais à profit. Au moins, pour savoir de quoi tu parles. Tu sais pas comment ça fonctionne un compte de gestion, tu sais pas comment ça fonctionne un compte bancaire. Tout ça, il faut que tu l'apprennes si tu veux être un bon mais entrepreneur. Mais je suis bon d'accord. C'est pour ça que j'ai mis BUT-TC, technique de commercialisation, il y a tout ça là-dedans. Mmh. C'est pour ça que j'ai mis ça sur Parcoursup, je suis d'accord. Faut absolument que tu passes par cette case-là. C'est pas parce que tu es intelligent que tu vas y arriver. Il y a plein de gens qui sont intelligents qui se plantent parce qu'ils savent pas gérer une entreprise. Déjà, les papiers, ça t'emmerde. Quand t'es entrepreneur, t'en as plein des papiers. Ça m'emmerde, mais je me force à le faire. Je le fais quand même. Même si ça m'emmerde, il y a plein de trucs qui nous emmerdent, on est obligé de le faire. Donc voilà. Tu es obligé de passer par cette case-là où tu vas apprendre des choses théoriques pour monter ta boîte si tu veux. Oui, enfin, ouais. Pour monter la boîte de la MMA, j'en sais rien, mais tu m'as quand même promis de ne plus faire de combat. Mais c'est quand je t'ai blessé, c'est ce que tu voulais entendre. J'ai pas envie de plus faire de combat. T'as pas les moyens de tes ambitions, quoi, c'est tout. Bon mec, je te la fais bref, ça me saoule. Pourquoi c'est que des galères mec, j'en ai marre, c'est chiant, hein. C'est chiant de fou mec, c'est chiant. C'est chiant de fou mec, j'en ai marre. Putain, ça devient trop compliqué cette histoire mec, j'en ai marre. J'en ai marre, c'est galère, c'est trop galère. Je sais même pas par où commencer. Mon téléphone bug, là j'ai de la chance. Je sais même pas s'il filme en fait, parce que je filme avec ma caméra arrière. Et là ça fait 3 essais que je fais et la vidéo filme pas. Bon, parce que c'est un reconditionné, là ça marche pas. C'est 8 mois que je l'ai, mais je paye ça cher et ça marche pas. Ouais, qu'est-ce que je peux te dire là? J'ai dû récupérer mes affaires chez ma mère parce que je lui ai pas payé le loyer, donc je suis parti. Parce que j'ai envie d'aller à Paris, mais j'ai toujours pas de logement. J'ai un pote qui peut me loger une semaine, mais en gros, il m'a dit ouais, par contre, tu restes jusqu'à vendredi, après tu te casses, tu vois. Donc, je vais pas y aller pour 3 jours. J'ai plein de rendez-vous prévus avec des gens qui veulent m'aider, mais c'est que des paroles, tu sais. Je sais pas si c'est vrai, si ça va me mettre dans la merde après. J'arrive pas à savoir, c'est trop chiant. Ah, c'est un casse-tête, c'est horrible. Là en vrai j'ai envie de me dire vas-y brûle les bateaux mec, t'as 4 mois mec. En septembre je suis inscrit sur Parcoursup donc j'ai des vœux, je pourrais reprendre les études en septembre. J'ai 4 mois là pour charbonner, faire en sorte que ça marche tu vois. Donc là si je lâche le taf mec, faut être certain et putain c'est horrible les doutes là. Bon bah mon gars, je vais m'acheter une valise. Et j'avais pas de valise donc j'ai acheté une valise. Ouais, je voulais un truc qui roule, comme ça parce que je pense que je vais avoir mon sac d'entraînement avec, donc je veux, faut pas que je me trimballe avec 2 sacs. Faut que ce soit facile d'utilisation. Là je me dis poteau, genre là je marchais dans les magasins, je me disais putain gars, j'espère que tu sais ce que tu fais tu vois. J'espère que tu sais ce que tu fais. Oh le bordel gars. On dirait un charclot, la tête de WAM. Non ouais je vais mettre mes affaires proprement dans la valise. J'ai mon sac d'entraînement, tu vois, je vais faire un truc clean parce que ça y est, frère, on va faire les choses bien là. Mais vraiment, mec, je me dis, j'espère que je sais ce que je fais, tu vois. Mes affaires, mec, que j'ai mis en boule dans les vieux sacs là,
J'essaie de plier ça un peu proprement dans la valise. C'est mal clodo que je suis, mais je suis obligé de me mettre sur un vieux parking désert pour faire ça. J'ai encore mes vieux déchets là des installations que je jette. If I don't believe it, no one else will. If you believe, and if you want it, and if you want to work hard enough for it, it can be so. Because there's no difference for me. I just really wanted this shit. I wanted it bad. Salut les gars, je viens de lâcher le taf. Je suis complètement con. Ou fou, je sais pas, mais il y a un problème avec moi, mec. Mais je me dis, je peux pas tout faire bien, mec. Si j'ai envie de faire bien les choses, je peux pas faire et YouTube, et les entraînements, et le taf, mec. Surtout que le taf, ça demande, c'est pas un genre 8h-16h, tu vois. Je peux pas, c'est impossible. Donc faut que je choisisse, gars. Mais je suis fou, mec. Je suis fou. Parce que là, je suis obligé que ça marche, mec. Parce que là, sinon, je suis trop dans la merde. Faut que je la rende à Leclerc, là. Donc je suis en train de la laver, la rendre propre pour pouvoir partir à Paris les mains libres. J'ai plus rien. C'est bon. C'est bon, j'ai rendu la caisse à Leclerc. 600 balles. Bon, bah pour 27 jours. Fait mal. Mais bon, après, en vrai, elle m'a été utile quand même. Je l'ai utilisé pour le taf aussi. Donc voilà, mais bon, ça fait lâcher une grosse somme quand même. Je suis avec mes affaires là. Faut que j'aille prendre mon train pour aller à Paris. J'ai l'impression que c'est le retour en vadrouille, mec. Le mode gros SDF à la rue en recherche de logement et de retour. C'est pas avec grande joie que je me vois réactiver ce mode. Mais bon, s'il doit en être ainsi pour aller de l'avant, je le fais sans hésiter. Et bon, si ça pouvait être à éviter, ça serait bien. On va chercher une petite grotte pour la nuit. On va essayer de se trouver du bois sec pour allumer un feu. If you believe, and if you want it, and if you want to work hard enough for it, it can be so. Because there's no difference for me. Ça fait 2 ans d'école de cinéma. I just really want it. C'est pas bizarre là-dedans? I want it. C'est pas bizarre là-dedans? To me, ça pue un peu, non? Things we all should do every day. We do this every day of our life. You're going to have, what a wonderful, number one is laugh. You should laugh every day. Number two is think. J'ai un chanceux, moi. Non, mais j'ai la chance à mes côtés. Souvent, Emma, juste là, à côté de moi, elle me suit. Non, mais mec, je me prends une drache dans la gueule, là. Comment ça se fait, putain? Je suis parti sans manteau exprès parce que je pensais qu'il allait pas pleuvoir. I'm gonna live every minute of it. Moi, j'ai rencontré les parents d'une fille à 35 ans. Bien arrivé chez le poteau. Ça va dormir en cuir. Ah, pour coller, c'est vrai. Y'a pas que Zli, mec. Hein. Bon, on s'arrange. On va pas faire les difficiles. Hein. Pas rien, moi. J'espère pas. Je rentre de l'entraînement là, je sais même pas si ça se voit, mais je suis tout éraflé là, avec les scratchs des gants. T'as même là, regarde. Ah, c'est chiant ça. Bon, rien de grave. Moi, du coup, je cherche un appart dans le 13ème. Mais moi, je m'en fous de l'appart, mec. Si. Moi, je veux juste un lit, même une douche en vrai, je m'en fous, parce que je me douche sur la salle, et une petite cuisine, tu vois, une petite plaque chauffante, avec un frigo. Un frigo, un micro-ondes, une petite plaque chauffante, un lit. Ça, c'est. Et une. Oh, mais ouais, j'avoue, machine à laver, ce serait pas mal quand même. Bon, après, je vais dans les laveries. Dans les laveries, c'est pas grave. Mais au moins un lit, micro-ondes, frigo, petite plaque chauffante, tu vois. Vraiment le minimum syndical. Mais ce qui est galère à Paris, c'est qu'il faut faire des dossiers, mec, aussi longs que mon bras. C'est ça qui est chaud, tu vois. Donc j'ai plusieurs personnes que je connais, là, qu'il faut que je vois pour essayer de choper un appart et tout. Donc, mais je pense que ça marche beaucoup bouche à oreille ou un peu au réseau, tu vois. Si vous avez une connaissance, si vous-même vous avez un petit studio dans Paris, le 13ème, ou en vrai, mec, si c'est le 14ème ou le 12ème, tu vois, je m'en fous, genre en vrai, ça passe de ouf. Mais j'ai des sous de côté, genre je peux payer pendant vraiment plusieurs mois, il n'y a pas de galère. Et là, donc voilà, je vais travailler avec des sponsors aussi, donc pour avoir un petit peu de sous, donc voilà, il y a des garanties, mais j'ai pas de CDD ou de CDI directement maintenant. Voilà, en tout cas, si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a un petit studio, un petit truc, tu vois, dans le 13ème, 14ème, 12ème, ça serait le feu. Le feu, mec. Donc voilà, les gars, je suis tout à fait preneur, si vous avez quelque chose. Je fais mes petites recherches. Si vous avez un tuyau, vous m'envoyez un petit DM sur Insta. Je serai preneur, les gars. Puis voilà, en vrai, un truc comme ça, tu vois. 590. Tu vois, une petite chambre, un petit bureau, petite cuisine. Ça passe de fou, mec. Ça passe de fou. Sauf que faut un dossier... comme ça, quoi.
comme mon bras. Donc bon, j'ai pas les papiers actuellement là. C'est tout pour moi. Je te remercie. Elle est ici. Étude de restauration à Paul Bocuse, en plein stage au Granit, premier arrondissement de Paris. Chez Granit, on dit. D'accord. Gros resto gastro. Étoilé. Étoilé. Attends, tu vas me reprendre comme ça sur chacun des mots. Bah oui, on est précis sur les termes. Mais si, mais t'as raison. Et donc voilà, ça fait des études chez Paul Bocuse, donc pas mal. Gros level de cuisine. Mec, j'ai hâte qu'il me cuisine des petits plats bien préparés à la prochaine fois. Je cuisine pas, mais. Je ne cuisine pas. En fait, ce gars, depuis plusieurs années, hein. Et je ne cuisine pas, je suis en salle. Bon bah, tu nous feras des beaux services alors. Par contre, ce qui est dingue, ce qu'il va me dire, c'est qu'il fait genre environ 60% de la clientèle, c'est des étrangers. Du coup, il doit parler énormément anglais en fait. Ça, c'est vraiment intéressant, j'étais même pas au courant, mec. Donc là, tout à l'heure, il apprenait sa carte en anglais. Comment on dit sarrasin ? Buckwheat. Buckwheat, il est fier. Hein. Il est fier de le dire parce qu'il s'est fait couiller par son boss qui lui a dit, il a dit sarrasin. Sarrasin, do you want sarrasin? Et il s'est fait couiller parce qu'on dit pas comme ça en anglais. Enfin, moi je le savais personnellement, mais s'il m'avait demandé, je lui aurais dit quoi. Il s'est fait couiller, ils sont adorables. Reprends-toi. Enfin, bref, voilà un petit peu l'ambiance, le contexte de cet appart quoi. Bon, ouais. À la cool cool quoi. As always. Explose, explose. Boum, boum. C'est beau comme ville. Quel plaisir, surtout pendant les beaux jours, moi. Pendant l'été, mec, quel kiff. J'adore cette ville, mec. Tu sors, les gens sont dans les bars, ils prennent du plaisir, ils boivent leur petit verre et tout. C'est trop cool. Enfin bref, là, c'était la prépa physique. Je suis arrivé, du coup, là, attends, là, on est vendredi. Je suis arrivé jeudi. Déjà, depuis jeudi, j'ai fait deux entraînements de MMA avec sparring, tout ça. Que j'ai pas filmé parce que bah déjà je peux pas poser mon bigot. En fait je pourrais poser mon téléphone pour le faire mais je préfère quand c'est quelqu'un qui filme les entraînements et tout, c'est plus propre. Et puis en plus je viens d'arriver donc je vais pas directement refilmer mes entraînements. J'ai retrouvé mes coéquipiers à l'entraînement, mec, je les kiffe, tu vois, les mecs sont tellement chauds, MMA, je les kiffe. Enfin bref, je vais arrêter de les saucer parce qu'après ils vont me sortir les vidéos et me dire ah j'ai vu ton dernier vlog, ça me sauce, tu nous sauces. Mais non, en vrai c'est des bons et leur niveau en vrai il est zinzin, je trouve. Bref, en tout cas, ça fait plaisir de retourner dans cette ville qui est Paris, mec. La capitale, bordel. La putain de capitale, mec. On est bien ici, hein. On bat les couilles, frère. Ça juge. Non, c'est pas grave, moi. Je m'en fous, tu sais. J'aime pas qu'on me regarde le film. Ça me met mal à l'aise. Arrêtez, les gars, putain. Faut juger trop, là. Tout le monde me regarde. Ouais, j'ai 40 000 abonnés sur YouTube, ouais. Ouais, y'a quoi? Ouais, y'a quoi? Je travaillais dur pour ça, mec. Y'a quoi? Je me suis battu sur Ibra TV, ouais. Tu connais pas? Bah va voir, mec. Pourquoi ne pas vous viser le top niveau? Voici la carte qui vous mènera à destination. Si vous œuvrez au triomphe de la justice sur les lois imparfaites, si votre sens de l'excellence ne souffre aucune compromission, si votre caractère adulte souffle le calme sur la tempête, si vous savez quand vous levez pour la civilisation et que pourtant le pouvoir ne vous monte pas à la tête,
Alors, un jour peut-être, vous mériterez le titre de champion. De ce que j'ai retenu principalement, pour moi la phrase qu'il a dite qui résume le charisme, il n'y a pas de charisme sans engagement profond pour une cause qui nous dépasse. Je suis plutôt d'accord avec ça, tu vois. Après, il n'y a pas que ça, évidemment, mais moi, c'est principalement cette phrase-là que j'en ai retenu. Enfin bref, trop de sérieux, les gars, allez, trop de sérieux, c'est bon, on s'arrête. Là, j'ai mangé quoi ? Haricots avec du riz. Pas de prot, là, ce soir, parce que mec, t'es mal à la gueule des plaques. Faudrait que je fasse cuire du jambon, mais frérot, oh, la gueule des plaques, mec. En vrai, ça passe. En vrai, je suis juste un flemmard, hein. je pourrais le faire, mais... Bon, à mon avis, les plaques, là, il est 21h. Bon, elles sont chaudes à 22h, tu vois. Bon, bah, j'ai le temps de prendre ma douche, tout ça, quoi. Non, mais eh, on va pas commencer à cracher dans la soupe. On va pas commencer à faire des trous dans le toit qui nous protège de la pluie. Ouais, pas mal, celle-là. Bon, ouais, je viens de pondre ça, de mon imagination. C'est ça, le vrai charisme, mec. Utiliser son imagination, sa créativité. Ouais, gars, c'est une cause qui me dépasse, putain. Je sais pas laquelle encore, mais je vais la trouver bientôt. Right. De bon matin. Regardez ce que je fais pour vous faire des outros de zinzin là. Waouh, mec, on est pas bien là. C'est pas incroyable ce point de vue là. Mec, je trouve ça tellement beau. C'est un truc de fou. Par contre, mec, je suis en train de flipper là. Mais je suis sur une petite passerelle bancale. Mec, je fais un saut là-dessus, là, tout s'écroule. J'ai vraiment donné ma totale confiance aux ingénieurs. Hein. Je me tiens quand même bien fermement au rambard, mec. Vivre ! Vivre, mes amis, vivre ! What the fuck ? On the top of the world ! On the fucking top of the world ! Wow, mec, c'est zinzin. Par contre, ouais. En fait, j'ai des moments d'euphorie et des moments de prise de conscience de là où je suis. Et d'un coup je stresse. Mais faisons comme si on n'était pas là où on était. Non mais mec, s'il vous plaît, appréciez avec cette vue avec moi. Je vais faire mon outro parce que c'est quand même pour ça que je suis venu à la base. Merci les gars d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner en bas à la chaîne les gars. Objectif 100 000 abonnés avant la fin de l'été les gars. C'est bon, j'ai quitté le taf, j'ai 4 mois maintenant pour faire du MMA, les vidéos à balle. Si vous avez des possibilités de logement, n'hésitez pas à me DM. Je suis grave chaud, je suis totalement preneur. Voilà, c'est à peu près toutes les infos que j'ai envie de vous donner mec. Apprécier cette vue peut-être. Et vivez bordel. Vivez les gars. C'est quoi le pourcentage de personnes sur cette planète qui a déjà eu accès à cette vue mec? Non mais s'il te plaît. C'est la fin d'une belle journée mes amis. Demain est un autre jour. Demain sera encore plus beau. Demain est à nous. Demain est à nous. À nous de le saisir.